quando o público chega, as luzes têm que estar a 40%. Ou seja, tu programas as luzes da sala, as luzes do chão, se há uma música de fundo, se há um black no ecrã, ou se há uma publicidade, ou se há o logotipo do cinema. Ou seja, tu programas desde a chegada do público até à saída, ao minuto e ao segundo. Portanto, tu pões, depois pões a publicidade, ou podes pôr bem-vindos ao cinema. E depois as luzes têm que ficar menos claras, mais escuras. E depois quando o filme começa, as luzes se apagam. Ou seja, tens uma programação de toda a sala, e o que eu acho muito teatral, que tudo seja, participa um filme. É uma lista de ações de toda a sala. Achei muito engraçado. É um bocado fictício, não é? Entramos num sítio que é um bocado Disney, não é? Ou é tudo um bocado fake. É muito fictício. Entramos num espaço completamente num imaginário, não é? E ver um filme com várias pessoas à minha volta é uma partilha bastante íntima. E às vezes até é um bocado perturbadora. Sentes alguma tensão ou... Não sei, eu gosto desta experiência e acho que é um espaço bastante bonito numa cidade, numa sala de cinema. Esse tipo de partilha não existe em casa sozinha. Existe por muito pouco. Não sei, há tudo um ritual também. O bilhete, a bilheteria, as cadeiras, todo... É tudo uma cena, é tudo um cenário. E nós fazemos parte do cenário também, com as cadeiras e nós também fazemos parte do cinema. É tudo muito teatral. Salle de cinéma, c'est de manière très connement psychanalytique. Je pense qu'il y a un truc de cocon, de retourner dans le ventre de sa mère, d'être dans, comme ça dans le noir, dans une sorte de bain très particulier. Et il y a un paradoxe que j'aime bien dans une salle de cinéma, c'est que c'est à la fois c'est collectif, humain, et en fait à la fois c'est ultra individualiste, parce que bon, quand une salle est allumée et que tu rentres, on peut s'identifier, et puis dès que le film commence, en fait, on est tous en train de regarder, nous pas se regarder les uns les autres, mais on regarde juste une seule et même chose qui est un écran, quoi. Mais après, il y a un truc que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les salles populaires, c'est que c'est une salle organique, c'est-à-dire que ça rigole d'un côté ou ça respire, enfin, il y a un truc qu'on ressent, une sorte d'énergie commune qui n'est plus de l'ordre de l'humain, mais presque de l'animal, que je trouve très beau. Et moi, j'avais vu un mauvais film d'horreur, mais la salle était extraordinaire parce qu'elle était en demande d'avoir des sensations. Et quand même, malgré que le film n'était pas super bon, il répondait à l'attente, quoi. Et c'était magnifique. Il y avait un côté, ça rigolait nerveusement, de l'autre, ça sursautait en même temps. Après, de manière individuelle, il y a quelqu'un qui fait « Oh la vache !» comme ça, et donc après, tout le monde rigolait. C'était ultra musical, il y avait vraiment une sorte d'ambiance comme ça, qui était super belle, comme une sorte de vague, de flux, comme ça. En Portugal, portanto, eu vivi no Porto até quando tinha 23 anos. Quando eu fui-me embora do Porto, havia uma crise económica. Então, as salas de cinema fecharam cada vez mais e até que não havia salas de cinema, só em centros comerciais e fora do centro. E isso perturbou-me, de certa forma. E depois as pessoas inventam. Quando não há salas de cinema, havia pessoas que começaram a projetar filmes numa parede na rua e punham cadeiras. E começamos a ver filmes, ou passamos os filmes em USB, um professor que punha um filme num café, punha uma tela e trazia o seu projetor caseiro, pessoal, um projetor pessoal, e projetava filmes. Havia sempre formas de inventar cinema,
portanto, tínhamos uma experiência cinematográfica muito alternativa. Portanto, não tínhamos salas de cinema, ou muito poucas, ou com projeções muito... Não havia cinema todos os dias, por exemplo. E uma vez que vim cá a Paris, fiquei completamente maluca. Havia imenso cinema, havia uma cinemateca com projeções todos os dias. Quando cheguei, havia uma programação do César Monteiro, que é um realizador português. Passado um bocado havia uma programação dos anos 74, 75 de cinema português. Portanto, eu fiquei completamente, uau, o que é que se passa aqui? Si j'ai un souvenir pour le cinéma lacré qui m'a vraiment touché, c'était à l'époque où le cinéma était tenu par Sanvi Panou, qui était donc un gérant d'origine béninoise. Et propriétaire, c'est toujours le propriétaire actuel, c'est-à-dire le comité d'entreprise de la Caisse d'Épargne. Et à la fête du cinéma, il y avait Reservoir Dogs, et je m'en souviendrai toujours, là, il y avait une sorte de... Il y avait plein de trucs, enfin, il y avait des poutres, il y avait des bâches devant l'écran, et ça cachait un peu les sous-titres. Donc du coup, on était comme des lémuriens, c'est un animal très particulier, et on avait toutes les têtes levées comme ça, et pendant tout le film, parce que le film fait à peu près 1h45, 2h, on était mal à l'aise puisqu'on était tous moitié assis, moitié debout à essayer de choper les sous-titres parce qu'il y avait un gros bordel devant l'écran en fait quoi, sur l'estrade. Et je trouvais ça trop beau, un côté comme ça, cinéma de fortune comme ça. Mais c'était le dernier à montrer ce film parce que tous les autres cinémas l'avaient éjecté des salles quoi, parce que tout, enfin, il était plus en actualité limite quoi. Ça faisait déjà un mois ou deux qu'il était sorti. Les films ne durent pas jusque là quoi. Sauf avec ce type de cinéma. Depuis que je suis ado, les salles ferment à chaque fois de plus en plus, quoi. Et après, elles n'arrivent pas à me dire, ouais, c'est plus là d'actualité qu'avant. On fait l'impression que il y a un processus depuis que j'existe sur cette planète qui fait que, bah avant c'est les salles de quartier par exemple, et tu vois il y a les salles de quartier. Dans certains films, on n'a plus ces salles-là. Je sais pas les salles de quartier par exemple américaines, par exemple dans True Romance, quand ils regardent des films de kung-fu jusqu'à 2h du 4h du matin. Bah, moi personnellement je connais pas ça. Alors il y a peut-être très exceptionnellement des sortes de nuits blanches où t'as trois films, t'as un peu de monde quand même là dans le film, il est tout seul. Et puis même certains écrits cinéphiles dans les salles des grands boulevards, des salles vraiment très particulières comme ça. Un cinéma de quartier, je pense qu'il n'y en a plus aujourd'hui. C'est des cinémas qui projetaient surtout des films, on va dire, dits d'exploitation, donc de genre, et qui pouvaient tourner à très très longtemps dans une salle, quoi. À tel point que c'était même le rapport au spectateur qui était différent. Toi maintenant, t'as des gens qui te font sortir, qui font en sorte que voilà, tout le monde sort et peut-être d'autres spectateurs qui arrivent. Et avant, il y avait peut-être la dernière configuration qui existait de salle de quartier à ma connaissance. Mais maintenant, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est le Brady. C'est en effet, il y avait des gens qui pouvaient rester dans la salle et puis comme ils pouvaient rester même toute la journée dans la salle, quoi. Se taper soit le même film, soit ça peut être des films différents, ils restaient et puis personne ne les embêtait, quoi. Et voilà, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais redécouvrir. Ça, je l'ai connu un tout petit peu parce que ça m'est déjà arrivé d'aller au Brady. Mais voilà, c'est le genre d'ambiance que je trouve super, quoi. Je crois nulle part à Paris, ça fonctionne comme ça. Moi, c'est ça, à la rigueur, c'est pas que ça me manque, mais j'aimerais bien redécouvrir ce que les générations avant moi ont pu voir, quoi. Já faz algum tempo que faço algumas ocupações para utilizar os espaços abandonados ou vazios em Paris para usar para ateliês ou espaços de criação ou salas de exposição. E também fizemos salas de cinema com cadeiras, fazíamos salas de cinema nas ocupações que fizemos. E, portanto, o DREC, que era um ex-salariado do cinema Lacler, muito perturbado do que se passou com o cinema, veio ter comigo e pediu-me. Quer dizer, organizou várias pessoas, não só foi a mim, pediu-me para que nós ocupemos o cinema Lacler em setembro.
porque ele tinha uma informação que o cinema ia ser vendido em outubro. E, portanto, pareceu-nos bastante claro ocupar o cinema pela... porque era muito emblemático, era o último cinema associativo, bastante militante, político, onde aceitava muitos jovens realizadores, portanto era um sítio muito importante cinematográfico em Paris e que estava em risco do seu término. E, portanto, ocupamos o espaço com vários coletivos, já temos algum hábito em utilizar espaços que estão abandonados, mas esta vez o cinema não estava abandonado, estava apenas fechado para uma venda. O cinema estava fechado. E a nossa ocupação não ia ser uma ocupação para reivindicar o nosso ateliê ou para nós dormirmos, ou seja, nós não íamos ocupar o espaço dessa ideia de ocupar como um espaço meu, ou como se fosse meu domicílio ou o meu ateliê, mas era uma ocupação que reivindicava um cinema, ou seja, pronto. E por acaso foi muito bonito, eu gostei muito dessa ocupação, porque ocupamos com vários grupos e eu estou habituada a trabalhar com um grupo, portanto eu já conheço bem o meu grupo, e desta vez foi muito bonito porque havia muitas perspectivas diferentes. E havia muitas formas de ocupar um espaço e muitas formas de pensamento. E chegamos à conclusão que a forma mais política da nossa intervenção seria de abrir as portas e fazer uma projeção de um filme. E foi o que aconteceu. Foi uma forma pública de mostrar a nossa ocupação e porquê, o que é que nós estamos ali a fazer. Estamos ali para que o cinema seja um cinema. En fait, ça a commencé parce que en tant qu'ancien salarié, j'ai bossé juste 3 ans dans le cinéma. C'est un cinéma qui existe depuis les années 70, donc inauguré dans mon souvenir le 10 octobre 1973 par un certain Claude Frankfurter. Et du coup, voilà, il y a apparemment eu un âge d'or, donc ces années-là, jusqu'à une crise, tu vois, déjà qui touchait le cinéma, où il y avait beaucoup de salles qui fermaient, il a fermé autour de 80-81. Et il a dû le revendre, et il a été quand même assez chanceux parce qu'il a réussi à le revendre, donc à un propriétaire qui s'appelle le comité d'entreprise de la Caisse d'Épargne qu'on a aujourd'hui, mais qui à l'époque voulait quand même que ça reste un cinéma. Par contre, la partie centre culturel, qui était plus dédiée peut-être au cinéma à l'époque, bon, là, ça a été dédié plus à, on va dire, à une forme de pluridisciplinarité qui était le centre culturel de la Clé, où il y avait de la peinture, de la chorale, de la photo, tout ça. Et du coup, voilà, nous, on est là aussi pour réinvestir ces lieux. Et surtout, on a découvert, parce que moi, j'avais oublié, mais il y a un magnifique labo photo à l'intérieur. Et du coup, là, ça quand même, il y a un pied dans le cinéma avec la photo, donc c'est super intéressant. Donc à partir de là, on essaye d'étendre voilà, les champs du possible sur tous les corps de métier du cinéma, que ce soit le montage, l'étalonnage, tout ça. Donc on s'était mobilisé en avril 2018 avec les anciens salariés pour sauver le cinéma. Et très vite, je me suis détaché parce que je voulais pas sauver le cinéma en tant qu'ancien salarié qui sauve son poste, ça m'intéressait pas du tout. Par contre, les autres se sont vraiment battus corps et âme pour sauver le cinéma, et à un moment donné, ils se sont même fait des choses qui ont été assez exceptionnelles, alors que c'était pas du tout leur spécialité de faire ça. Ils ont vraiment monté un dossier, ils se sont allés chercher des investisseurs, ils en ont trouvé. J'ai retrouvé mon affection pour le cinéma, parce que voilà, comme je le dis, je me bats pas en tant qu'ancien salarié, mais absolument pas. Mais je me bats en tant que plutôt réalisateur qui fait des films qui sont projetés ici depuis 2000, et surtout en tant que cinéphile qui connaît cette salle depuis l'époque de Sans Vie Panou dans les années 90, grâce à qui j'ai vu énormément de films à retardement parce que la salle était pas chère et qu'il y avait le temps que la fête du cinéma arrive et qu'il était toujours sur ces écrans-là, quoi. En gros, voilà. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai, après, grâce au réseau plutôt alternatif, grâce à plein de copains qui sont dans cette réalité d'occupation précaire, etc.,
J'en ai parlé, et au fur et à mesure, ça a fédéré énormément, que les gens se sont retrouvés là-dedans. Et surtout, voilà, tout l'aspect, la fibre vidéo, audiovisuelle de tous ces milieux d'occupation précaire. Et bien, en fait, on s'est retrouvés ici, quoi, comme un point de ralliement, et c'est super beau. Há duas salas, uma e a outra, a sala grande tem, por detrás do ecrã, tem um palco com luzes, tem uma parte muito teatral, com muitas luzes, portanto, se quisermos pôr uma luz vermelha ou uma luz azul, e tem um piano aí atrás, mas queremos abrir mais a nossa... Não queremos que seja só um cinema, só filmes, queremos que se abra mais. Por exemplo, queremos fazer ateliês. Há um ateliê de fotografia analógica para revelar e ampliar. E temos um ateliê de stop motion, escritórios com computadores para trabalhar. E queremos um bocado abrir um bocado os horizontes do cinema, ou seja, fazer peças de teatro, tirar a tela e fazer aulas de flamengo. Ou pronto, mas vamos ver. J'ai plusieurs infos contradictoires dans ce que j'ai pu entrevoir. D'un côté, on dit qu'en fait, le cinéma s'est jamais aussi bien porté, puis d'un autre, en effet, des salles de plus en plus elles ferment ou deviennent de plus en plus des gros multiplexes. Alors à partir de là, c'est très compliqué, parce qu'en même temps, il y a aussi des salles qui perdurent, qui sont entrées... qui sont des vraies salles indépendantes, voilà, comme je sais pas le Grand Action, voilà, ça a l'air de bien tourner pour eux, ou en banlieue, c'est pareil, ça a l'air de bien tourner. Alors est-ce que à un moment donné, il y aura cette envie de reproduire de ce qui se passe en banlieue ou même en province, le cinéma un petit peu comme ça, plus accueillant, où il y a une cafétéria intérieure avec une librairie, avec etc. Est-ce que ça, au bout d'un moment, ça va reprendre le dessus sur Paris? Quelque part, je l'espère. Ou au contraire, ça va devenir que des multiplexes ici. Et puis, ce sera autour, il faudra bouger à l'extérieur pour avoir envie de prendre l'air et d'aller dans une salle de cinéma plus accueillante, quoi. Voilà. Mais après, non, j'ai aucune vision claire là-dessus, quoi. Ce serait prétentieux de dire, ah, ça va être comme ça, je suis sûr que ça va être comme ça. Soit le vieux con, soit... Le mec trop optimiste, en fait, j'en sais rien. Aucune idée. En tout cas, par rapport au cinéma, pareil, je veux pas me faire de projections. Je pense qu'elles vont pas être forcément positives, mais en tout cas, je les vois pas négatives non plus. Moi, alors ça me regarde que moi, mais moi, j'imagine que je suis dans un train et que je mets du charbon dans le train pour qu'il avance, quoi. Et en fait, je regarde pas la fenêtre où je peux voir jusqu'où il avance. Juste, il faut qu'il avance, c'est tout, quoi. Et puis, soit... ça défoncera des murs grâce à ça. Soit, il y a un moment donné, il y a un mur qui est trop fort et on va s'exploser dedans façon Vanishing Point avec la voiture qui s'explose dans les tracteurs à la fin du film. Voilà. Je me chamo Clara, sou portuguesa e vim a Paris para estudar Belas Artes. Sou artista plástica, vivo em Paris há 6 anos. Trabalho com escultura e artes visuais. Tenho um coletivo de artistas e temos um ateliê em Paris. Du coup, je m'appelle Derek Wolfenden. Sinon, je suis vacataire cadreur pour la Cinémathèque. Et je suis programmateur pour Curie Vavar, une association d'artistes pluridisciplinaires. Et sinon, actuellement, là, présentement, au moment où tu m'interviews, je suis président de l'association Home Cinéma, qui est une association qui a été créée pour préserver, alors sur papier, des cinémas de quartier et tout ça, et en vrai, pas du tout, c'est juste pour préserver ce cinéma dans lequel on est là en ce moment, qui s'appelle le Cinéma La Clé, et qui est fermé depuis avril 2018.